Émilie Bourgeois, eh bien oui, du côté de Lone Plage, le quad, une passion. Depuis combien d'années, Émilie? Ça fait 7 fois, 8 fois exactement que je fais la Ronde des Sables. Ouais. Ouais. Vous avez commencé le quad à quel âge? Il y a 8 ans maintenant. Comment on arrive au quad? Par hasard, complètement par hasard pour ma part, puisque je suis issu de sport collectif, je faisais du basket avant. Ouais. Donc mon conjoint faisait du quad, j'ai sauté sur son quad et puis me voilà arrivé au départ d'une course, voilà. La première fois qu'on monte sur un quad, entre un quad et une moto, la moto ne vous a pas attiré plus? Et qu'est-ce qui vous a amené vers le quad? Non, la moto, j'ai pas assez de jambes pour tenir une moto. Enfin, la sensation de la moto de route, parce que j'ai une moto de route, ne me plaît pas. Oui. Pas trop. Donc je préfère le quad. Après, c'est plus rassurant, j'estime, avec 4 roues. J'ai l'impression que je tombe moins, je pense. On est plus en sécurité sur un quad? Je me sens plus en sécurité. Par contre, quand il y a des chutes, ça fait mal. Ça fait plus mal. Le plus difficile, c'est quand on s'enlise ou quoi que ce soit. C'est là le moment particulier. De toute façon, il faut être... Faut être réaliste, que ce soit un garçon ou une fille, quand on s'enlise, c'est quasiment impossible de sortir le quad sans aide d'une tierce personne. D'accord, ok. La suite pour vous, ça sera quoi? Cette année, je ne suis pas championnat de France, malheureusement. Mais, pourquoi? Niveau le temps que ça prend, là, c'était 2 déplacements dans le sud, donc j'ai pas vraiment le temps d'y aller. Et puis, la vie privée qui prend le dessus aussi, donc voilà. Votre profession? Je travaille chez Leroy Merlin. D'accord. Dans la distribution. Ok. Donc, trouver la solution avec Leroy Merlin pour aller sur un quad. Ça va, mon entreprise, elle m'a toujours laissé partir. Mais bon, c'est pas grave, je reviendrai pour Graillan. Je fais Graillan en janvier et puis le Touquet, forcément. Le Touquet, pour vous, c'est quelque chose d'important? Ouais, je suis originaire du Touquet, donc systématiquement. On se prépare tout au long de l'année, que ce soit physiquement, mentalement, au niveau alimentaire ou autre. Pour le coup, je vais avoir un peu plus de temps pour me préparer, c'est surtout physiquement. Allez, on vous laisse. Allez, merci.